Étienne Saint-Forien, Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, Bayimboka, Botenabino Banso. Wandugu wapenzi, wananchi wote, na wasalimi ya nyinyi wote. Bana betu basubwe moyo wenu bonso. Bampangi ya Munu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu yonso. Ana lengo, moyanyu che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous revenons encore à vous avec cette émission de entre 15 et 20 minutes. Voilà, Monsieur Zachary, surnommé Nemanda Semi, Tourne-Kazakh à Balouki. Maintenant, il supporte Félix Tshisekedi. Alors, il dit, entre un Rwandais et un fils du pays, voilà, il choisit le fils du pays, il choisit Félix Antoine Tshisekedi. Pour lui, même si son épouse est rwandaise, pour lui, donc, il n'y a pas à confondre les sentiments avec la politique ou l'état du pays. Voilà. On ne confond pas la politique avec ça. Les sentiments, c'est les sentiments. Pour lui, il pense que Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, qu'elle est d'origine rwandaise. Alors que nous savons tous qu'elle est bachi, d'après les informations que nous avons tous au pays. Mais bon, nous savons que M. Zachary, Nemanda Nsemi, ne s'est pas démontré avec des preuves que Madame Denise Nyakeru est d'origine rwandaise. Voilà. C'est le grand problème de nos compatriotes de la frontière. Voilà. Alors, nous allons vous montrer cette vidéo, mais avant de vous montrer cette vidéo, nous vous montrons les photos de la star de ce jour-ci, Madame Gina Kabamba de 25 ans, qui a neutralisé la furie de Emmanuel Chadari. Voilà. On passe à la vidéo. Alors, chers compatriotes, sur Scoop RDC, on peut voir ceci que nous allons lire ensemble avec vous. Les humiliations commencent. Chadari et Chisambo débarquaient de l'aéroport d'Ndjili. Chadari se prenait pour le plus fort et voilà, il est débarqué. Les passeports sont confisqués. Voilà. Nous allons faire la lecture ensemble avec vous, chers compatriotes. Voilà. Attendez un peu. Bientôt, la lecture commence. Voilà. Les humiliations commencent, Chadari et Chizambo débarqués de l'aéroport de Ndjili. La rédaction 25 janvier 2020. Le secrétaire permanent du PPRD et ancien candidat président de la République, Emmanuel Ramazani Chadari et l'ancien gouverneur du Sud-Kivu, Marcelin Chizambo, ont été débarqués de l'avion cette nuit de vendredi à samedi 25 janvier, alors qu'ils prenaient le vol de Kenya Airways pour Bujumbura, capitale burundaise. Les cadres du PPRD allaient à une manifestation du parti présidentiel burundais, allié de leur parti.
Selon les sources de Scopaird.net à l'aéroport de N'Djaïli, les deux cadres du PPRD se sont présentés avec des anciens passeports diplomatiques respectivement en tant que VPM de l'intérieur et gouverneur du Sud Kivu. Fraude que les agents de la DGM n'ont pas tolérée. Seul le député national François Nzokuy détenant un passeport diplomatique valable a été autorisé de prendre l'avion. Autre temps, autre muret. Dossier à suivre. Agnolo Agnad. Voilà, nous allons répéter la lecture. Les humiliations commencent, Chadari et Chizambo débarqués de l'aéroport de N'Djaïli. La rédaction 25 janvier 2020. Aéroport de Djili. Le secrétaire permanent du PPRD et ancien candidat président de la République, Emmanuel Ramazani Chadari, et l'ancien gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Chizambo, ont été débarqués de l'avion cette nuit de vendredi à samedi 25 janvier, alors qu'ils prenaient le vol de Kenya Airways pour Bujumbura, capitale burundaise. Les cadres du PPRD allaient à une manifestation du parti présidentiel burundais, allié de leur parti. Selon les sources de Scopaird.net à l'aéroport de N'Djaïli, les deux cadres du PPRD se sont présentés avec des anciens passeports diplomatiques respectivement en tant que VPM de l'intérieur et gouverneur du Sud Kivu. Fraude que les agents de la DGM n'ont pas tolérée. Seul le député national François Nzokuy détenant un passeport diplomatique valable a été autorisé de prendre l'avion. Autre temps, autre mures. Dossier à suivre. Agnolo Agnad. Voilà, il s'agit d'une usurpation d'identité déjà. Et il y a des dossiers qui pèsent sur lui, tels que le massacre des Kamuinansapu par une riposte non proportionnée. Voilà tout ce qui pèse sur eux. Voilà, chers compatriotes. Nous passons maintenant à Nemandansemi Zachary, qui conseille à Joseph Kabila de s'exiler dans un pays d'Afrique de son choix. Il dit que, bon, il regrette que les Occidentaux nous aient imposé un Rwandais à l'époque, Joseph Kabila, mais bon, pour lui, les Rwandais sont des Noirs, les Congolais sont des Noirs. Il ne voudrait pas que les Noirs s'entretuent entre eux. Voilà, il cherche, il veut la paix. Mais alors que Joseph Kabila a s'exilé dans un pays d'Afrique, parce que s'il ne veut pas, bah, il risque d'aller finir ses jours à la Cour pénale internationale. Voilà, rappelons qu'il soutient maintenant Félix Antoine Tshisekedi. Il dit qu'entre le Rwanda et Félix Tshisekedi, il choisit Félix Antoine Tshisekedi. Comme quoi, la politique est dynamique. C'est humoristique, mais bon, mais ça vaut la peine. Les politiques anambe n'ont pas été élus aux élections dernières. En tout cas, le peuple congolais ne les a pas votés. Ils n'ont pas voté, c'est le Rwandais, aux dernières élections présidentielles. De quel droit cet outil rwandais parle encore au Congo? De quel droit cet outil rwandais parle encore au Congo, qui n'est pas son pays? Il parle par la démocratie de merde que l'Occident nous a imposé. Il parle au nom de la démocratie de merde que l'Occident a imposé au peuple congolais ces 60 dernières années. Voilà un génocide tutsi rwandais qui devrait terminer sa vie à la Cour pénale internationale. Mon message à Félix Tshilombo. Je sais qu'entre un frère rwandais
et un neveu, le choix est clair. Et je sais, je suis scandalisé. Ensemble avec les ancêtres de Bakongo, les ancêtres de Baluba qui connaissent les liens de sang qui unissent les Bakongo avec les Baluba. Mais mon neveu Félix Tshilombo doit éviter de dire des conneries du genre les Banyamulenge sont des Congolais. Non, non, non. Ce sont des Tutsis Rwandais. Ce sont des Tutsis Rwandais. Et non des Congolais du Kivu. Je sais que ta femme est une Tutsi Rwandaise. Mais il ne faut pas confondre le poème sentimental avec les affaires de l'État congolais. Car entre les États, on n'a pas d'amis. On n'a que des intérêts à défendre. Mon message à Hippolyte Kanambe, j'ai fait beaucoup de discours de sagesse à ton égard, mais faute à cause du soutien que te porte l'Occident, tu n'as pas suivi mes sages conseils. Et malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Une fois de plus, je te demande d'aller en exil dans un pays africain de ton choix. Après 3 années d'exil, tu pourras rentrer au Congo en tant qu'investisseur. Mais, malheur à toi, si, une fois de plus, tu t'entêtes, fort du soutien que te porte l'Occident, malheur à toi, Hippolyte Kanambe. Car, les génocidaires du genre Sassou Nguesso, et toi, Hippolyte Kanambe, devrais terminer sa vie à la Cour pénale internationale. Une Cour pénale internationale qui met au cachot le Mukongo venu d'Amérique, Charles Taylor, et le nationaliste ivoirien Laurent Gbagbo. Ces deux sont à la Cour pénale internationale. Tandis que le grand génocide Sassou Nguesso et Hippolyte Kanambe se promène librement. La Cour pénale internationale est faite pour qui? Seulement pour le Mukongo Charles Taylor et pour le nationaliste ivoirien Laurent Gbagbo. Mais comment comprendre que Sassou Nguesso, qui ne cesse de massacrer des Bakongo, ça fait 60 années, est libre? Comment comprendre que Hippolyte Kanambe, qui a tué beaucoup de Congolais, qu'il a jeté dans les fosses communes, est libre? Comment comprendre cela? Mon message à la Chine populaire. Je suis un grand initié Congo qui a rencontré de temps en temps Mao Tse-Tung dans le monde spirituel. Mao Tse-Tung, ce grand leader du tiers-monde, car Mao Tse-Tung est vivant dans le corps dans le monde spirituel où il est. Dirigeant actuel de la Chine, votre appui à Kabila, le Rwandais, fait honte aux camarades Mao Tse-Tung. J'espère que la Chine va se rattraper pour se détacher de Hippolyte Kanambe parce que ça fait honte à Mao Tse-Tung. Je sais de quoi je parle et je pèse bien mes mots. Mon message à l'Occident qui soutient Kabila, politiciens occidentaux, je sais que c'est vous qui nous a imposé Kabila comme président en RDC pour des questions, des raisons d'intérêt que vous connaissez bien.
En tout cas, j'ai l'impression de croire que pour l'Occident, les matières premières du Congo comptent plus que les Congolais. Pour l'Occident, les matières premières du Congo comptent plus que le peuple congolais. Dommage. Ces 20 dernières années, Kabila a massacré des milliers de Congolais et les a jetés dans des fosses communes. Alors que le Congo n'est pas son pays. Tout le monde le sait. Mais le peuple congolais est fatigué. Ce peuple qui est devenu très pauvre, le peuple le plus pauvre du monde, qui a le pays le plus riche du monde. Et malgré cela, par votre démocratie de merde, vous continuez à soutenir Kabila au pouvoir. Et cela est décevant. Car cela se fait au détriment du peuple congolais. Je sais que la coopération entre mon pays et l'Occident est utile. Mais par votre faute, évitez que nous puissions aller chercher nos amis ailleurs, en Inde, au Japon et pourquoi pas en Corée du Nord. Gouverner, c'est prévoir. Ainsi, je vous demande de venir retirer le génocide tutsi-rwandais que vous avez placé au pouvoir chez nous. Sinon, je vais bientôt demander au peuple congolais de se soulever et de changer de force ce Rwandais. Mais de grâce, qui va supporter le sang des Rwandais et des Congolais qui va couler? Moi, je suis un sage africain. Les Rwandais sont des Noirs, les Congolais sont des Noirs, et cela ne m'intéresse pas de voir des Noirs qui s'entretuent entre eux. Mais c'est vous qui nous avez imposé cet outil rwandais. Venez retirer cet outil rwandais, s'il vous plaît. Venez retirer cet outil rwandais, s'il vous plaît. Ingeta. Ibobo. Ibobo. Alors, chers compatriotes, au revoir, Boutikala Malamu, Benobikalambote. Wandugu wapenzi, tunamaliza tutaonana kesho mpangia mono ya luzoro benu bikana mbote betu tamalana mbasi bala betu basuive shala ibip nitu munana chikondo chikwabu kufideo mkwabu ana lingo amboshila.